Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, et Bernard Toinel est avec nous. Monsieur Toinel, bonsoir. Bonsoir, tu peux m'appeler Bernard, Ah, par contre merci, j'attendais que on tu se me tutoyait. redonnes l'autorisation. Sans problème. Bon, alors Bernard, on t'a reçu la semaine dernière dans une émission qui a duré longtemps, Oui. qui s'est terminée d'ailleurs par la diffusion d'un document. Bernard Toinel, je rappelle que tu es rédacteur en chef de VSD hors série, consacré aux ovnis. Hein, aux objets volants non identifiés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la semaine dernière, on a fait une émission consacrée au sujet sans pour autant parler d'extraterrestres. Et non. En tout cas, pas vraiment. Et c'était le côté intéressant. On a prévu cette semaine, on avait déjà pris rendez-vous la semaine dernière avec les auditeurs, on a prévu de parler de la propulsion de ces fameux ovnis. De tout ce que ça a pu engendrer, parce que on ne sait pas exactement comment ils font pour aller aussi vite, pour se déplacer aussi silencieusement, pour ne pas apparaître sur des radars. Alors chacun a sa théorie, mais toi, en tant que journaliste, tu as étudié le sujet. Ça a donné quoi en gros? En fait, de toute manière, bon, c'est vrai qu'au fil des numéros de VSD hors série que nous avons publiés depuis 1998, c'est un sujet qui est toujours en filigrane, hein, c'est évident. Je dirais que la propulsion, c'est le sujet numéro un. Hein, il n'y a pas, je crois que véritablement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Comme je l'avais expliqué la semaine dernière, les Américains, qui étaient en pointe donc dans l'étude du phénomène OVNI, ont tout de suite pris la solution tôle et boulon, c'est-à-dire en fait de prendre en considération le fait que les OVNI sont des objets manufacturés, qui sont faits par des hommes ou je ne sais quoi, ou je ne sais qui, et que ces objets ou ces engins peuvent être reproduits par des avionneurs, c'est-à-dire des fabricants d'avions sur Terre, hein, et faire effectivement en sorte d'imiter le vol des ovnis en adoptant leur technologie de propulsion, tout Alors, ce qui est tout de simplement. même, ce qui est tout de même intéressant, c'est que déjà étudier le comportement de ces ovnis, c'est déjà accepter qu'il y en ait. Dès 1947, c'est ce qui a été marqué noir sur blanc, hein. C'était d'ailleurs, comme je dis, j'avais expliqué, la lettre du général Twining qui a donné un petit peu les grandes orientations à suivre. Et je crois que depuis cette période, on n'a jamais cessé d'arrêter d'étudier, d'échafauder des hypothèses, des théories. Bon, vous y reviendrez là, dans le courant de la soirée, mais c'est fondamental. Donc cette recherche de technologie avancée, de propulsion exotique, parce qu'on appelle ça la propulsion exotique, ça a été le grand sujet depuis 1950-51. Je crois qu'on a véritablement, donc on a fait travailler, si tu veux, des aérodynamiciens. C'était le cas d'Alfred Loding. Donc lui a tout de suite fait des plans de soucoupe sur papier, en faisant également des maquettes qu'il a présentées à l'état-major de l'US Air Force à l'époque. Et ensuite, il fallait les faire voler. Le problème, c'est que les Américains n'avaient pas de moyens de faire voler des engins pareils. Donc on essayait de trouver des moyens assez cocasses pour propulser des soucoupes volantes. Alors ça a été le cas par exemple avec le fameux Flapjack qui a été construit en 1943 et qui a volé jusqu'en 1944. Et je dirais que c'était une espèce on l'appelait la crêpe volante, c'était pas pour rien. Ça ressemblait effectivement à un disque volant. On avait rajouté à ses extrémités des espèces de moignons d'ailes et à l'avant on avait deux moteurs à hélice. Alors ça faisait un peu, oui, c'était un peu du bricolage, hein. Faut quand même l'admettre. Et puis après, bon bah qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il fallait trouver un moyen. Alors on a fait plancher des scientifiques, on a repris des gens du projet Manhattan, donc qui avait, si tu veux, abouti à la fabrication et au développement de la première bombe atomique en 1945. Donc on a fait plancher ces gens-là et on leur a dit, écoutez, essayez de trouver comment fonctionnent ces satanés disques volants, parce que s'ils existent, c'est que nous, on peut faire la même chose.
Voilà, ça c'était je dirais, la base de travail. Ensuite, bon, bien sûr, chacun avait un peu sa théorie, mais il y a quand même des gens qui sont sortis du lot. Alors, je crois que le premier, a priori, qui a commencé à se poser des questions et à mettre tout ça sur le papier, c'était un certain John Frost. John Frost, c'était un Anglais qui était très brillant et qui était rentré dans une firme aéronautique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait oui, qui s'appelait De Havilland Canada. Hein. De Havilland Canada, c'était une firme qui avait fabriqué des avions tels que le Mosquito, qui était en bois d'ailleurs. Hein. Des avions. Et puis ils avaient également, ils étaient en train de construire des avions qui allaient pour la première fois utiliser les réacteurs. C'est le Vampire, c'est le Swallow qui était prévu pour passer le mur du son à l'époque, en 1946. Hein. Surtout le premier avion à réaction de ligne, le Comète. Hein. Alors, ces études pour comprendre comment on pouvait voyager, comment on pouvait voler ces objets volants non identifiés, ça a débuté aux États-Unis. Oui, ça a débuté aux États-Unis, mais il y a eu des réunions quand même qui se sont déroulées en Europe et à laquelle a participé John Frost. Et John Frost a été très intéressé par les rapports qui avaient été amenés, qui avaient été un petit peu diffusés là à titre confidentiel dans les différents états-majors, et ça l'avait vraiment captivé. Je ne sais pas s'il était véritablement croyant, mais je crois qu'il il avait véritablement dans l'idée d'établir par rapport au rapport, de faire quelque chose, de mettre au point des engins révolutionnaires. Lui, il y croyait vraiment. Il disait, si ces engins existent, moi je vais les mettre au point et je vais les développer. Et alors actuellement, quelles sont les personnes qui ou les Alors, groupes de personnes qui étudient ce phénomène? bon, bah, on va pas sauter les étapes parce que c'est vrai que, si tu veux, grosso modo, John Frost, il a travaillé, il s'est expatrié malheureusement parce que, bon, il a fait, si tu veux, fait face à des échecs, au niveau notamment de chez De Havilland, parce qu'ils ont eu d'énormes échecs techniques, donc au sujet des avions en réaction, et lui s'est expatrié au Canada. Et c'est en s'expatriant au Canada qu'il est rentré en contact directement avec les avionneurs canadiens et surtout l'état-major américain. Et ces gens-là lui ont dit, nous savons que vous travaillez, vous avez des idées avant-gardistes, est-ce que vous pouvez nous mettre au point des soucoupes volantes pour doter nos unités? C'était très clair, c'était véritablement une commande. On leur a dit, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des soucoupes volantes pour remplacer nos avions de chasse? C'était ça le challenge. C'est une drôle de Donc, requête. comment? Une drôle de requête quand Ah ben même. c'était la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il y a eu un cahier des charges et on a commencé à travailler, à mettre au point des soucoupes volantes. Et ça se faisait vraiment sous le sceau du secret absolu. Hein. C'est-à-dire que les gars étaient vraiment dans une usine complètement fermée à Malton, donc dans l'Ontario. Ils étaient complètement, mais alors, il y avait un énorme rideau qui séparait la production, la chaîne de production des avions que produisait donc la firme qui avait employé John Frost, Avro Canada, et les bureaux d'études étaient complètement fermés. On savait, d'ailleurs, les gens dans la boîte savaient pertinemment que les gars travaillaient sur des soucoupes volantes. D'ailleurs, on les appelait les types des soucoupes volantes, c'était pas pour rien. Et c'était, il paraît, il fallait voir l'atmosphère à bord, à l'intérieur de l'usine. John Frost, qui était un inventeur, mais vraiment le véritable inventeur style professeur Tournesol, faisait voler des soucoupes volantes de 20 cm de diamètre dans les couloirs, dans le labo. Enfin, c'était vraiment comme dans le meilleur film de science-fiction. Hein. On était et ça se passait réellement comme ça. Alors au fil des ans, bien sûr, alors on a eu des cahiers de charges. Ils ont réussi, si tu veux, à faire une maquette en bois d'un disque volant, hein, mais encore une fois, en utilisant les moteurs conventionnels, les réacteurs, les choses qu'on savait faire. Parce que le problème, et on va en parler tout de suite, le problème c'était d'assurer la propulsion. Il n'y avait pas un moyen
je dirais, technologique classique qui permettait d'égaler les performances des ovnis. Mais c'est ça, et ce qu'il fallait comprendre, c'est pourquoi ces objets volants non identifiés étaient capables de larguer strictement toutes les avancées technologiques terriennes. Ah, complètement. Et d'ailleurs, même encore maintenant, il n'y a pas du tout. Je dirais, on n'a pas. On a très très peu progressé. Bon, à contrario que ce que je dirais peut prétendre certains chercheurs, moi je maintiens qu'on en est encore bien loin, hein, de pouvoir égaler ses performances. Hein. Parce que il faut savoir une chose dans cette histoire-là. C'est la maîtrise de l'énergie. Hein, et ça, Éric Julien en parlera un peu plus tard. Je dirais, c'est le problème numéro un, c'est-à-dire en fait, comment faire voler un engin et de quel moteur pouvons-nous disposer pour faire voler cet engin à une vitesse extraordinaire, lui faire faire des changements de trajectoire quasiment à angle droit, en clair, à faire je dirais, le moyen de transport idéal. Hein, le moyen de transport ou le moyen de faire de la défense aérienne idéale. Hein. Donc ça, c'est clair que les généraux étaient tous piaffés. Ils en crevaient d'envie d'avoir ces engins-là. Et ça se lit dans les rapports. C'est édifiant. Mais Hein. cette étude des moyens de, pardon, de propulsion de ces ovnis, actuellement, c'est toujours secret comme recherche? C'est recherché par qui? Oh bah bien sûr, c'est même le cœur du secret. Parce que si on veut dire un jour, expliquer, mettre tout sur la table et préciser la raison pour laquelle on a toujours considéré le sujet des soucoupes volantes, entre guillemets, confidentielles et ultra secrets, c'est bien à cause de ça. Bah, tout simplement parce que celui qui disposera d'un engin avec un moyen de propulsion au moins équivalent à celui qui pourrait être attribué aux ovnis, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Ben, il contrôlera le monde. Il contrôlera le monde, il n'aura absolument aucun adversaire face à lui. Il aura une avancée technologique telle qu'il n'aura plus de problème pour assurer la police des villes, pour assurer sa défense aérienne, pour assurer même le transport de personnes d'un endroit à un autre. On a véritablement, si tu veux, là, des moyens véritablement d'avant-garde dont rêvent tous les généraux de la Terre. C'est évident, et je crois que c'est ça. Les Américains ont essayé d'obtenir cette avancée. Bon, ils l'ont fait au travers de John Frost, qui a réussi, toujours sous le sceau du secret, à travailler pendant des années, hein, dans un groupe d'études qui était vraiment planqué au fin fond d'une usine. Et il a réussi quand même, en finale, à construire un ersatz, si je puis dire, de soucoupe volante. C'était l'Avrocar. Un engin qui malheureusement décollait pas plus haut que 90 cm. Donc on en était vraiment à des années-lumière des performances qu'on a pu observer soit au radar, soit par les pilotes. Donc le problème était là. Alors il y a eu d'autres théoriciens. Hein. Bon, il y a eu Jean Plantier en France, hein. Jean Plantier qui a quand même échafaudé la première théorie de propulsion des soucoupes volantes, dans un livre d'ailleurs qui porte le même nom, et qui le même titre, pardon, et qui a été publié en 1955. C'est un livre introuvable, hein. Mais il est encore d'actualité. Alors là encore, Éric Julien y reviendra parce que c'est vraiment une théorie qui refait surface. C'est-à-dire, c'est d'actualité parce qu'on ne met rien de côté et de toute façon, on n'a pas de solution, donc toutes les théories sont bonnes à prendre. Bah, disons que toutes les théories ne sont pas bonnes à prendre, mais toutes les théories sont applicables à condition qu'on ait la source d'énergie. Bien sûr. Et le problème, en fait, il repose là. Hein. C'est que tout le monde travaille la question. Aux États-Unis, bon, on appelle ça, on a des termes, on parle d'antigravité, on parle de MHD, magnéto-hydrodynamique, ça Jean-Pierre Petit va en parler, ou on a déjà parlé. Je dirais que tout le monde, je dirais, joue sur sa propre manière d'échafauder son idée de propulsion sur les soucoupes volantes, mais le problème, c'est que tout le monde a des idées, mais tout le monde n'arrive pas à l'appliquer. Mais c'est ça, pour toi, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est la propulsion des ovnis. Ben bien évidemment, c'est évident. D'abord, on appelle ça de la technologie sensible.
Ah, c'est pas pour rien. C'est effectivement un axe de recherche que tout le monde aimerait. C'est évident que celui qui dispose d'un moyen comme ça, c'est un moyen considérable qui lui permettra de voyager partout, y compris dans l'espace. Mais alors, est-ce qu'il y a des instances officielles qui, par exemple en France, prenons la France, travaillent sur le sujet? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais bon, je dirais à échelle réduite par rapport aux Américains. Ce sont les Américains qui ont le, je dirais, l'avancée et les moyens. Parce que, bon, bah d'abord, ils peuvent dépenser 25 milliards de dollars en Black Program pour une année. C'est tout. C'est-à-dire les programmes noirs, les fameux programmes secrets qu'on ne voit jamais, qui sont jamais votés au Congrès, dont le public n'a pratiquement pas connaissance. C'est là-dessus qu'on puise les budgets de recherche. Nous, malheureusement, dans nos pays, on a des budgets extrêmement restreints et on ne peut pas aller aussi loin. Bon, bah c'est sûr qu'on avait peut-être des théoriciens à la hauteur, mais on n'avait pas les infrastructures de recherche qui nous permettaient d'aller aussi loin que ça. Alors, à l'heure actuelle, bien sûr, c'est l'axe de recherche. On essaye par tous les moyens de trouver le moyen de miniaturiser les sources d'énergie, parce que c'est ça le problème. Bon, à l'heure actuelle, pour te donner une idée, bon, si on veut véritablement faire décoller de quelques mètres une Renault Clio, hein, je prends un exemple tout bête, ben, il faut une centrale nucléaire, en gros, à plein régime. Donc, tu vois la puissance nécessaire. Donc on ne peut pas mettre une centrale nucléaire dans une Clio. C'est impossible. C'est pas pratique. C'est pas pratique et c'est pas pensable. C'est pour ça que tous ces problèmes de théorie, c'est bien beau. Tant qu'on n'a pas la source d'énergie, on ne sait pas faire. Un bon exemple également. Tout le monde peut faire un engin, je dirais, qui ressemble, si tu veux, à un engin antigravité. C'est ce qu'on appelle le lifter. Hein, c'est un engin qui a été mis au point, qui est fait de feuilles d'aluminium et de balsa en forme de triangle. Et avec un bon petit transfo et puis je dirais une bonne aptitude au bricolage, eh bien, on met un petit transformateur et puis avec l'électricité, simplement la force électrique, eh bien, on va faire voler cet engin à quelques mètres. Et ça marche, il y a des tas de gars qui font ça en ce moment. C'est vraiment, je dirais, le béaba, les premiers pas de l'antigravité. Et ça, tout le monde peut le faire, dans son garage. Ça ne coûte pas énormément, seulement c'est très dangereux parce qu'il faut faire très très attention. Parce que là, on a des sources électriques et surtout des tensions qui peuvent être très grandes et ça peut créer des accidents. Mais ça marche. Seulement le problème, c'est que pour l'instant, bah, ça décolle pas à plus de quelques 2-3 mètres, et puis ça ne peut pas se balader où on veut. Et puis ça ne fonctionne qu'avec du balsa et des feuilles d'aluminium, donc c'est très léger. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc on a beaucoup d'idées, mais pour la réalisation, eh bien, on a encore ce problème de source d'énergie. Ça a été d'ailleurs le gros problème de John Frost, qui lui avait mis au point des engins puissants, mais qui ne fonctionnaient qu'à base de réacteurs conventionnels. Et alors, c'était terrible, parce que c'était lourd, et puis c'était peu fiable. Hein, les vitesses envisagées, c'était des vitesses de l'ordre de 3 fois la vitesse du son, hein, pour te dire. Non, mais c'était des engins qui étaient. Le type n'était pas sûr de revenir en effectuant un vol d'essai, c'était clair. Hein. Alors, avant de conclure, je me demande comment tu fais, Bernard, pour mener tes enquêtes dans un monde aussi secret que celui-là. Ben, du gymkhana. On fait du gymkhana, on essaye de. Bon, d'abord, il existe pas mal de documents, et puis, je dirais, les années passant, on a quand même accès à de plus en plus de documents parce que, bon, bah, c'est vrai que y a quand même des classifications qui interviennent après, surtout aux États-Unis, après une période de 30 ans. Donc, il y a des gens qui parlent, il y a des anciens chercheurs qui parlent, et puis, bon, bah, on arrive à obtenir des informations. Nous, c'est ce que nous avons fait à VSD hors série depuis le début, hein. Et d'ailleurs, dans le dernier numéro, on n'a pas lâché le côté propulsion, parce que d'ailleurs, on a publié dans le numéro 5, qui est toujours en vente en kiosque, là, les premiers signes. On a publié un article de Jean Paulhan, justement, parce que les humites, les fameuses humites, les sirums de l'espace, comme je les appelle, eh ben, ils ont leur théorie sur la propulsion à base de plasma, à base de. Bon, ce sont des théories intéressantes, mais ça ne reste que des théories parce qu'on n'a pas encore la source d'énergie. Et c'est ça le problème. Et lorsqu'on aura découvert cette fameuse source d'énergie, je pense qu'on aura franchi un énorme pas et on sera peut-être dans la cour des grands.
Bernard Toinel, je te remercie. Est-ce que tu pourrais juste nous indiquer quand est-ce que sort le prochain numéro hors série de VSD que Bon, tu alors le réaliseras? dernier numéro est sorti donc le 11 octobre. Là, il sera en vente encore pour jusqu'à la fin novembre. Hein, donc on peut le trouver en kiosque sans aucun problème. Ou alors, bon, bah, on nous téléphone au 01 40 95 57 09. Il n'y a aucun problème. On en a plein en stock. Sinon, eh bien, il faudra attendre le mois de juin 2003. Pour le prochain numéro. Eh oui. Merci à toi Bernard. C'est moi qui vous remercie. Passe une excellente soirée, au revoir. À bientôt, au revoir.